Bonjour, je suis Olivier Boudry, artisan campanaire. Je travaille dans le domaine de l'automatisation de cloches et la fonte de cloches depuis plus ou moins une trentaine d'années. Je suis entré dans le métier en fait surtout parce que j'habite Thélin. Donc on est originaire de Thélin, de père en fils depuis plusieurs générations. Ils n'ont pas travaillé dans le domaine des cloches, mais vu qu'il y a une fonderie de cloches à Thélin, ça m'a toujours intrigué. Lorsqu'on arrive dans un clocher, donc on a souvent la cloche est toujours là, et la monture souvent doit être remplacée. Donc on peut la remplacer par une monture en fer ou une monture en bois. Donc ici on a une monture en fer, on fabrique ça à l'atelier, on cintre des volants qui vont permettre de faire aller actionner la cloche à la volée. Et après on électrifie, c'est-à-dire que l'on place des moteurs avec une chaîne et des marteaux électrodateurs qui vont permettre de sonner les heures, le glas, les 3x3 coups de l'Angélus. C'est un métier très passionnant, parce qu'on découvre tous les jours des endroits un peu magiques où les gens ne vont pas. Quand vous montez dans un clocher, vous voyez des charpentes superbes, vous voyez des cloches qui peuvent avoir plus de 200-300 ans, et savoir qu'on va pouvoir, entre guillemets, les faire ressonner, ou pouvoir les conserver, ça, on ne pense même pas qu'on travaille, hein, quelque part. Hein, c'est vraiment, il faut aimer ce qu'on fait. Au niveau de la transmission du savoir-faire, métier d'artisan campanaire. Actuellement, ça fait 3 ans que mon fils, qui a 21 ans, travaille avec moi. J'essaie donc de lui transmettre le métier.